ton Dieu va? D'où viens-tu? Que cela signifie? Que veut dire ceci? D'où viens-tu? Je t'ai posé la question, d'où viens-tu, mon ami? D'où viens-tu? Calista, c'est depuis quand que je commence à te faire des comptes rendus. Où je dois te dire partout où j'étais allé. Tu n'as pas honte de toi-même. Un homme comme toi, tu peux laisser ta maison plus de 24 heures. Sans te déranger. Ça ne te dérange pas du tout. S'il te plaît, Calista, je n'ai pas le temps de discuter avec toi ce matin. Hé, qu'est-ce que tu essaies de faire? Tu essaies d'entrer à la maison? Hein, toi? Tu veux me donner le dos? Tu veux me donner le dos? Toi, cet homme irresponsable. Calista, fais attention. Oh, Diego. Laisse-moi passer. Sinon, tu feras quoi? Non, si je ne quitte pas, dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire? Calista, quoi? Calista, tu m'as bousculé, oh. Je te pousse tu à quoi? Tu m'as bousculé, oh. Je te pousse à quoi? Je te pousse à toi. Toi, c'est ton. Attention. Qui quitte là? Calista. Calista. Tu es vraiment éhonté. Tu me cherches des problèmes. Quel problème? Si tu ne quittes pas devant moi, tu ne comprends pas aimer ce que je vais te faire. Je vais te gifler. Calista, laisse-moi. Papa, qu'est-ce que tu fais? Calista, interdis ta mère. Je ne veux pas de problèmes. Tu veux la frapper? Hein? Viens. Maman, attends. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Non, je ne vais pas les faire. Te battre, non? Allez, vas-y. Maman, je vais les tuer. Maman, je vais les tuer. Je vais les tuer. Je vais te tuer. Attention, et surtout, n'ose pas. Fais attention, je te dis. Tu dois faire attention. Reste ici, maman est en train de te parler. Reste ici. Reste ici. Où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu sais? Où est-ce que tu vas? Reste de ce côté. Ne va nulle part, reste ici. Écoute-moi très bien. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Tu vas rien faire. C'est quoi ça? Je vais entrer dans ma maison. Quelle maison? Je vais entrer dans ma maison. Je t'ai dit de ne pas bouger. Maman est en train de te parler. Reste là et reste là. Non. Laisse-le. Je ne vais pas entrer ici. Non. D'accord. Vous deux, occupez cette maison. Oui, nous allons occuper. Occupez-la jusqu'à mon retour. Ok. Oui. Non, où est-ce que tu vas? Occupez votre parcelle. Ok, bon, vas-y. Regardez-moi cet homme, hein. Un homme éhonté. Hey. Irresponsable. Maman, ça suffit. Pars. Un homme éhonté. Éhonté. Ne reviens plus ici. Il ne va plus revenir, oui, maman. J'avais pensé dernièrement à ce qui s'était passé. Nous devons prendre les devants pour conduire cette famille. Qu'est-ce que tu veux dire? Jonathan, maman n'est pas heureuse. Et nous n'avons aucun boulot. Il n'y a rien de sérieux. Nous ne faisons rien. En fait, nous avons vidé toutes les affaires que papa nous a laissées avant de mourir. Et je te vois souffrir sérieusement. Tu ne fais rien pour arranger cette situation maintenant. Oui, tu as raison. Nous avons besoin de quelque chose d'autre. Mais comment est-ce qu'on en aura? Je pense sérieusement ça. Je veux espérer que les choses aillent mieux avec le temps. Non. Papa a laissé fermer cette boutique pendant beaucoup d'années maintenant. Je pense que nous pouvons l'ouvrir. Oui. Remercie Dieu que nous ayons les bâtiments. Chibuzo, ça ne sera pas facile. N'oublie pas qu'on a tout vendu dans la boutique pour organiser les deuils de papa. Alors, de quelle manière qu'on va les faire? Je sais que le capitaine n'est pas exorbitant. Je m'en souviens encore que papa a beaucoup d'amis, tu sais. J'espère que certains d'entre eux peuvent me donner les marchandises à crédit. Une fois que j'ai réalisé les bénéfices, je les paierai. Bien. Et c'est bon, mais ça dépend de celui qui va nous prêter de l'argent. Tu connais les gens. Tu ne peux jamais les savoir sans pourtant les approcher. Laisse-moi faire d'abord le premier pas. Ok, tu as le feu vert. Voyons alors ce que ça va donner. Espérons. Ça ira. Maman. Maman, s'il te plaît, tu n'as pas trop d'inquiéter pour ça. Tu sais que papa n'a jamais été fidèle envers toi. Alors tu n'as pas besoin de continuer comme ça, maman, à cause de lui. Mais si tu ne vas pas comprendre, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour ton père pour le rendre heureux? Qu'est-ce que je ne lui ai pas encore donné? Qu'est-ce que je n'ai pas encore fait pour lui? Il ne veut pas arrêter d'être paresseux. Il ne veut même pas être utile pour lui-même. Tout ce qu'il me rend de tout le bien que je fais pour lui, c'est de courir derrière toutes ces veuves et toutes ces prostituées de la ville.
Maman, de plus en plus tu te mêles dans ça. De plus en plus tu te blesses toi-même. Essaye d'oublier cet homme. Maman, je suis là. Tu as Ebere et ton garçon. Nous serons tous là pour toi, maman, s'il te plaît. Non, c'est tellement choquant. Sincèrement, je ne sais pas jusqu'à quand. Jusqu'à quand je vais vivre dans cette situation. Tu sais, des fois, il m'arrive de souhaiter sa mort. Maman, non! Ne dis pas ça. Ah, peu importe tout ce qui se passe, je ne veux pas que papa meure. Je ne peux pas. Mais si, ton père ne mérite rien de bon. Cet homme a brisé notre union. Il a disgracié sa famille. Je souhaite qu'il aille très loin de moi. Il doit rester loin de moi pour toujours. Maman, s'il te plaît, il ne faut plus dire ça. Arrête. Maman, écoute. Ton bonheur n'est pas lié à quelqu'un. À personne. Nous, tes enfants, nous avons le pouvoir de te rendre heureuse. Alors, s'il te plaît, maman, arrête. Hé, Ngakwe. Maman, arrête, s'il te plaît. Mais non. C'est donc ça, ma vie? C'est mieux. C'est vraiment mieux. On a un père. Hein? Je ne veux pas être orpheline de père, s'il te plaît. Un jeune homme qui a fait ses études universitaires, licencié en sciences politiques, qui passe son temps tous les jours devant son ordinateur, en train de regarder et espérer les gens qui travaillent durement pour avoir l'argent. Oh, papa, laisse-moi tranquille, non? Ah, papa, laisse-moi tranquille. Est-ce que tu m'as trouvé un boulot et j'ai refusé de le faire? Écoute, c'est le seul boulot que j'ai en ce moment. Hein? Et ça m'aide à payer mes factures. Oh, quelle insolence! Oh, c'est avec fierté que tu défends Yahoo, comme ton business, pour payer tes factures. Papa? Quelquefois, je me demande si réellement je suis ton père. C'est vrai. Moi? Oui. C'est comme ça que tu me qualifies. Bam! Tu joues au jeu des Yahoo. Je pense que je dois te poser une question. Est-ce que tu es vraiment mon père? Parce que si tu es vraiment mon père, tu vas me soutenir dans tout ce que je choisis de faire. Que Dieu m'en épargne. Sans effet. Je ne peux pas soutenir quelque chose qui est mal et illégal. Je ne peux pas te soutenir dans tes jeux des Yahoo. Je serai d'accord avec toi, être d'accord avec toi, te donner aussi ma bénédiction au moment où tu vas commencer à faire le travail légitime, aussi le business. Et ce mauvais boulot est illégitime. C'est ce qui paye nos factures. Quelle stupidité! Papa, je sors un peu. Ok. Rentre vite ici. Où est-ce que tu pars et tu t'habilles comme une pute comme ça? Papa, qu'est-ce qui ne va pas avec ma robe? N'en as-tu pas aimé de couleur? Oh, donc tu n'as rien vu quelque chose de mal dans cette robe que tu as portée? Hein? Oui, mais cette robe n'est pas du tout bonne. Pourquoi n'as-tu pas cherché une robe jolie et décente que tu peux porter, au lieu de porter celle-ci à moitié nue? C'est certain que tu n'as rien à dire, papa. Je suis en retard pour un rendez-vous. Je n'ai pas le temps pour mes disputes avec toi. À bientôt. D'accord. Ebere. Bonne année. Hein? Tu lui souhaites bonne année? Vers où bonne année? Ah, tu vois? Telle mère, telle fille. J'ai tort de le dire. Pourquoi mets-tu maintenant maman dans tout ça? Je vais l'impliquer. Elle est là à l'intérieur. Quand sa fille s'habille comme une pute, elle sort pour partir. S'il te plaît, papa, laisse-moi tranquille. Je vais me concentrer sur ce que j'ai fait, s'il te plaît. S'il te plaît, je t'en supplie. Tu laisse-moi te dire quelque chose au cas où tu ne sais pas.
IFCC, ANR, la police, le self-defense, même autres services sont partout au moment où nous parlons. Cherchant quelqu'un comme toi, les jours qu'ils viendront frapper à ces portails, je vais les ouvrir et les amener personnellement dans ta chambre. Emmène-les dans ma chambre, non? Papa, je les attends derrière à 9. Qu'est-ce que c'est ça? Emmène-les. D'accord. Et qui viennent? Ne t'inquiète pas. Ça va. Pas de problème. Maman, je parlais de manière intense de cette idée avec Jonathan. Oui, maman. Nous pensons que c'est bon. Regarde, si il aurait lancé les affaires, nous aurons de quoi vivre ici à la maison, maman. En tout cas, essaye d'y penser. Mes enfants, je suis content parce que tous les deux vous pensez au futur de cette famille. Oui, parce que nous n'avons plus d'argent à investir dans ce business. Nous avons évidemment parlé aussi de cela. Oui, nous n'avons pas assez d'argent pour accomplir cela. Mais j'ai un plan. Je verrai quelques amis des papas dans l'association. Je verrai quelqu'un qui peut me donner des marchandises à crédit afin de me relancer. Oui, et lorsque les affaires vont marcher, on va les rembourser. Nous allons faire en sorte d'avoir nos propres business. Ça va nous rapporter. Mes enfants, l'idée ne semble pas mauvaise. Mais laissez-moi vous demander. Et si vous ne parvenez pas à trouver quoi que ce soit de bon auprès des amis de votre père, qu'allez-vous faire? Maman, il nous suffit de faire face à ces ponts pour rapidement les traverser. Et lorsqu'on va se lancer sur ce chemin, nous n'aurons qu'une option. Gagner. Papa a commencé avec la boutique. En évoluant avec la boutique, il a trouvé l'argent pour acheter une autre. Et nous aurons la possibilité de... Mon frère, essaie un peu de te calmer. Nous allons trouver une solution. D'accord, calme-toi. Tu es sorti de cette maison. Laissez-moi, je ne pars pas. Laissez-moi, je refuse. Laissez-moi, vous êtes mes enfants. Ne me touche même pas. Je vous ai toujours interdit de ne pas me toucher. Je vais vous maudire. Laissez-moi, je ne pars pas. Je refuse, je ne pars nulle part. Je refuse. Non, je ne pars pas. Je ne pars pas. Ok, je vois. Vous êtes complice avec votre mère. Vous, mes enfants, vous me frappez. Moi, votre père. Oh, oh, abomination. Abomination. Hey, je suis fini. Oh, je suis fini. Au secours. Au secours. Au secours. Venez me frapper. Venez voir ce que les enfants me disent. Un peu plus fort. Attends, je suis fini. Oh, je suis fini. Mes enfants vont me tuer. Venez m'aider. Au secours. Au secours. Je suis fini. Vous êtes complice avec votre mère, vous mes enfants. Vous me tabassez comme ça, je suis par terre. Venez m'aider. Oh, oh, venez m'aider. Oh, secours. Oh, secours. Oh, secours. Venez m'aider. Oh, secours. Oh, secours. S'il vous plaît, venez. Oh, ces enfants vont me tuer. Oh, secours. Venez m'aider. Je suis fini. Oh, oh mon Dieu, venez m'aider. Vas-y, continue. Mes enfants, laissez-moi. Chibuzo, j'ai pas beaucoup à te dire. J'étais béni. Tout ira bien avec toi. Amen. Tous les efforts que tu fourniras donnera du fruit. Amen. Tel que tu pars chercher de l'aide, le ciel te fera grâce. Amen. Et tu vas sourire. Amen. Tu ne croiseras pas de voleurs sur ton chemin. Amen. Et le vécu dans lequel tu entreras ne connaîtra pas d'accident et ne te tuera pas. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Bon voyage. Maman. Maman, pasteur. Vous allez sérieusement nous manquer. Et je suis sûr, vous allez réaliser beaucoup de choses.
Je le ferai. Et je ne pars pas à l'extérieur du Nigeria. Ah, vraiment? Je serai toujours de retour et je te verrai. C'est bon. Maintenant, je dois partir. D'accord, oui. Ok, bye. Nabo, mon fils. Prenez soin de vous, maman. Bien. Oui. Au revoir. Très bien. Au revoir. Oh, bye. Mon fils. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est arrivé jusqu'à ce niveau. Jusqu'à ce niveau, c'est ça? Ma femme Calista s'est associée avec ses enfants fainéants et stupides pour me frapper dans ma propre maison. Ah, ça n'ira pas mieux avec eux. Ça n'ira mieux jamais avec Calista et des enfants désespérés et fainéants. Ça n'ira pas mieux avec toi, Emmanuel. Messi, ça n'ira pas mieux avec toi. Le ciel vous rejettera et la terre va vous enterrer. Bon après-midi, papa. Papa, bon après-midi. Garde ta salutation et laisse-moi calme. Est-ce qu'il y a un moment où une bonne parole est sortie de ta bouche? Est-ce toujours des mauvaises paroles qui sortent de ta bouche? Vraiment que les tonneurs, que le tonneur que ne s'est jamais battu avant, s'abatte sur toi à la mort, que Dieu stupide m'en préserve. Fille. Aucune tonneur va me brûler. Ah! Je préfère entrer à l'intérieur pour manger. Homme fou. N'importe quoi. Attends. Attends. Ça n'ira pas mieux avec vous tous. Ebere, Messi, Emmanuel et Calista, ma femme, ça n'ira pas mieux avec vous tous. Je l'ai dit. Vous tous, les enfants chômeurs, vous ne verrez pas du bonheur. Vous avez fait ça à moi, votre père. Je le répète bien que tout n'ira pas mieux à vous tous. Ebele, Ebele, arrête de manger. Fais appeler ton père. Il faut seulement que j'appelle cet homme. Écoute-moi, il faut crier plus fort son nom. Hein? Nemoué! Ferme ta bouche. S'il a faim, il va te répondre. Est-ce que tu vas bien? Comment tu peux crier son nom comme ça? J'ai dit que tu as appelé ton père. Fais attention. Maman, qu'est-ce que je fais? N'est-ce pas c'est son nom? Mba. Emmanuel. Oui, maman. Viens manger. Je ne vais plus même appeler son nom, même s'il a faim. Non, mais c'est quoi ça? Ça, c'est la nourriture de Ebele. Vous mangez tous les deux là-bas. Il est en train de venir. Tu m'as appelé? Oui, non. Viens manger. Ça, c'est une surprise pour moi. Pourquoi? Pourquoi tu es surpris? Donc, c'est aujourd'hui que tu as décidé de préparer pour moi. Je pensais que vous ne m'avez pas pris en compte. Bikono, où serait le mal pour moi de nourrir mon mari? Je peux manger. Manger calmement. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, je suis mal à l'aise, maman. Maman, avec ce plan, je ne suis pas à l'aise. Maman. Non, c'est pas me gâcher le plan. Tu n'as qu'à la fermer. Maman, les seins et de l'eau se sont séparés dans mon corps. Je ferai en sorte que ça se retrouve encore ensemble. Oui, avec une gifle. Pardon, tais-toi. Cet homme ne peut pas mourir comme ça. Oh. Ce n'est pas vrai, hein? J'ai vu, c'est stupide. Il est mort. C'est quoi ton problème? Pourquoi tu t'agites? Vas-y. Je l'ai vu à même le sol. Lorsque vous arrivez au coin, vous prenez la gauche. C'est là que je l'ai vu. Dis-moi, quand tu l'as vu? Garde silence, c'est quoi le problème avec toi? Je vais te gifler, tu vas redevenir normal. Est-ce qu'il était entouré de gens? Non, personne.
Ok, attendons un peu, puis on va aller faire semblant de demander. Faut que ça ne donne pas l'impression que nous avions une mainmise là-dessus. Vous comprenez, non? C'est bon, non? Toi là, est-ce que tu connais cette route? Non, s'il vous plaît, allons-y. Allons-y. Hey, Nemo. Nalué. Nalué. Papa. Est-il mort? Il est mort. Est-il parti? Il est mort. Nemo, ce n'est pas possible. Ne me rends pas veuve. Il est déjà mort. Nalué. Est-il mort? Il est mort. Maman. Mes ennemis ont réussi à me faire papa. Du mal. Papa. Je suis devenue veuve. Papa. Papa, s'il te plaît, ne fais pas ça, papa. Papa, papa, pardon. Papa, papa. Je suis très contente, mon fils. Dieu a remis le sourire sur mon visage. J'étais dévastée à la mort de votre père. Mais regardez-moi maintenant. Je suis revenue à la vie. Maman, tu sais que je t'avais dit avant que je quitte. Tu n'as rien à t'inquiéter, maman. Le fait que notre père soit mort n'y change rien. Nous sommes là pour faire ce qu'il n'était pas capable de faire. Et je vous remercie. Il était vraiment une honte pour notre famille. Merci. Merci infiniment. Merci, Seigneur. Et moi, je suis très reconnaissant envers Dieu pour toutes choses. Maintenant, je suis sûr que mon cursus scolaire ne va jamais s'arrêter. Tout le monde de ma famille n'aura pas de problème pour ça. Ton éducation n'est pas un problème. Tu vas arriver à n'importe quel niveau que tu veux. Prof, mais par la grâce de Dieu, l'argent n'est plus un problème. Hé, hey, mon cher, donne-moi la main. Ah, Dieu, je te remercie. Merci pour aujourd'hui. Merci d'avoir rendu cela possible pour que je puisse enfin sourire oui. À nouveau. Que cette bénédiction que Dieu nous a donnée reste à jamais dans notre famille. Amen. Ne vous inquiétez pas, que la prière soit ma maman possible. Pasteur. Maman, est-ce que ça va? Mais si, ça ne va pas. Je ne suis pas du tout bien. Je pense à ma vie passée. Et ce que cette femme m'a fait. Oh, la femme dont tu nous avais parlé? Oh. Je ne pardonnerai jamais cette femme. Alors, je veux que toi et Bélé puissiez m'aider à la rendre le chagrin et le pleur. Maman, tu sais que je ferai tout pour te rendre heureuse. Merci. Où est Bélé? Elle est sortie. J'aurais besoin de vous parler tous les deux. Ok. Honnêtement, je n'arrive vraiment pas à comprendre. On l'a fait vraiment. Donc on est vraiment ensemble pour toujours. Je sais bien que tu es comme un ange. Merci. Quand est-ce qu'on va essayer? Hein? On va se voir encore. J'aimerais qu'on puisse se voir chaque jour. À tout moment que tu veux me voir, je serai là. Hein? Qu'en es-tu de demain? Oh non, je dois chanter demain et je crois pas que ce serait vraiment possible. Tu voilà. Chantes aussi? Oui, oh, bien sûr que je chante. J'aime la musique. Oh, oh. Ok, qu'en est-il de lendemain? Ne dis pas non, s'il te plaît. J'ai quelque chose à faire le lendemain. Non, je vais essayer. Tu vas essayer? Oui. Ok, ok.
je serai content de te voir le lendemain. En fait, je vais t'appeler pour me rassurer que tu seras là avec moi. Maman, bon après-midi. Oh, Maletia. Maman. Tu es rentrée. Oui, maman. Bienvenue. Maman, devine quoi? Je lui ai raconté aujourd'hui. Tu as rencontré qui? L'un des amis que cette femme nous a parlé. Les fils de Nedima. Oui. Les fils de Nedima. Oui. Maman, il est vraiment très beau. Hein? Maman, il s'est intéressé à moi. Il m'a aussi demandé un rencard avec lui. Vraiment? La bataille ne fait que commencer. Écoute ce que tu feras pour moi. Hein? Séduis-les. Tu sais, maman. Fais tout ce que tu pourras pour arriver à gagner son cœur. Maman, je l'ai déjà eu ici. Maman, je l'ai déjà eu ici. Ici, maman. Très bientôt, il sera par terre. Et avant que tu le saches, il sera déjà parti. Es-tu heureuse? Je suis plus qu'heureuse. C'est ça que je suis comme toi. Je sais. Je suis forte. Et vraiment? Ma fille, j'ai confiance. Hey, mets des mains. Un par un, vous serez tous effacés. Les karmas existent. Tout se paye ici-bas. Comme ce que je te disais au téléphone. Hein? Oh. Après demain, ne t'inquiète, nous avons de l'argent, on a de l'argent. Tu sais comment j'agis. Hein? C'est amusant, n'est-ce pas? Mon frère est rentré. Mon frère, tu es rentré. Bienvenue. Merci. Tu es un visiteur. Bien sûr. Et Billy, c'est ma petite amie. Et Billy, voici mon grand frère aîné, Tiouzo. Salut. Comment allez-vous? Je vais bien. Bienvenue. Tu comprends? Je suis dans ma chambre. Bien sûr. D'accord. Ah, quoi? Ton frère paraît en colère. Pourquoi pas? Il vient juste du boulot. Il est probablement fatigué. Je n'aime pas cette humeur. Ah, bébé, ne le prends pas sous cet angle. Tiouzo, c'est un bon type. Approche. Oh, je me sens mal à l'aise. Voyons, je me sens mal à l'aise, je te dis. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bébé, calme-toi. Je ne vais pas changer d'avis. Nous allons nous marier et personne ne va nous arrêter. Tu sais, mon seul obstacle, c'est mon frère Tiouzo. Je te disais que je n'aimais pas son visage. Il ne me supporte pas. Il me déteste. Et ça, c'est un problème parce que personne ne va m'arrêter. Tiouzo ne peut pas m'arrêter. Écoute, il a le droit de s'y opposer. Alors s'il décide de me mettre dehors? Ça ne va pas arriver. Arrête de t'inquiéter. Il n'y a rien qui va se passer. Nous allons toujours se marier. Le mariage est pour des personnes, n'est-ce pas? Calme-toi. Ça va bien se passer, n'est-ce pas? Relax. Écoute. Hein? Ethan. Je refuse de problème. Bébé. Je veux la paix. Bébé, écoute-moi. Il y aura la paix. Il n'y aura pas de troubles, n'est-ce pas? Calme-toi. Arrête de stresser tes cheveux, femme. Tu n'as rien. Tu en es sûr? C'est de ma famille dont on parle. Je vais tout régler. Tu en es sûr? Ne t'inquiète pas pour ça. Je vais m'occuper de Tiouzo. Je vais m'occuper de ma famille. Arrête de stresser. Ok? Vois-tu ce cavalier? Ah ah! Mais où est-ce que tu passes? Chez moi. Quel chez moi? Je menais un appartement. Mais tu n'as jamais parlé de ça à Chibouga. Mais je vous ai dit à vous. Lorsqu'il va rentrer, vous le direz. Prenez soin de vous. Ce n'est pas du tout sérieux, hein? Mais qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Bien, je ne sais pas, mais il est un homme. Un grand, voilà. Je crois que c'est vraiment une décision qu'il porte, alors je ne peux que lui souhaiter bonne chance.
Tu vois, je n'ai pas des problèmes, Jonathan. Il est un homme et il peut se faire un choix. Je pense qu'il est encore en colère parce que tu as épousé une nouvelle femme. Comme tu l'as dit, Chikozori, je pense qu'il ne devait pas prendre la décision par lui-même. Et je pense que tu dois t'excuser auprès de lui et qu'il sache qu'il est membre de cette famille. J'essaie seulement de les sauver. Oui, vous voyez, en tant qu'aîné, si je vois quelque chose de mal et je ne le dis pas, ce n'est pas bien de ma part. Aller chez lui, lui dire que je suis désolé. Pourquoi je vais aller lui dire que je suis désolé? Mon amour, je pense que tu dois écouter tes frères. Je vais dire, ils sont ton sang, alors vous devrez vivre en harmonie. Écoutez, mettons fin à cette causerie. Jonathan, je le verrai demain. Ce n'est pas un problème. Ebele, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Maman, c'est Chibuzo, le grand frère de Jonathan. Qu'est-ce qu'il a fait? Il empêche mon mariage avec Jonathan. Il cherche même à éloigner la famille de moi. Et tu crois que c'est possible? J'ai peur. J'ai l'impression que Jonathan suspecte quelque chose. Penses-tu qu'il connaît notre plan? Non, il ne connaît rien. Il n'y a aucun moyen sur cette terre qui lui fera le connaître. Il ne le saura pas. Mais moi, j'ai peur. Et bien, ne te dérange pas. Tu as fait un grand job, juste comme ta sœur. Tu le penses vraiment? Je t'assure. Mais elle a bien fait. Elle s'y prend parfaitement. Toi de même, sache que tu l'as bien joué. Hein? Jonathan, bébé, comment tu t'imagines après 2 ans? Bien sûr que tu sais, je serai un homme d'affaires international. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est une bonne chose. Mais tu sais, un rêve qui n'est pas accompli est inutile. Quoi? Tu penses que je ne l'essaierai pas? Jonathan, tu ne vas rien accomplir tant que tu as encore un frère sorcier à tes côtés. S'il te plaît, n'appelle pas mon frère méchant et mauvais devant moi, n'est-ce pas? Alors, dis-moi pourquoi il refuse que tu épouses la femme que tu aimes. Laisse-moi te dire pourquoi. Parce qu'il sait ce qui va se passer. Je vais t'ouvrir les yeux pour que ces méchants. Chibuzo, c'est mon frère. Et nous avons beaucoup de temps pour... Oui, je sais que c'est ton frère. Raison pour laquelle tu ne vois pas ses mauvais plans. Jonathan, je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Si tu vois Chibuzo, demande-lui de partager le business parce que tu vas travailler tout seul. En cela, nous verrons si j'ai raison ou pas. Thank you.
Ma chérie. Maman. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Hein? Maman, je suis confuse. Je ne sais plus quoi faire. Confuse de quoi? Maman, tu sais, Chibozo a insisté de venir voir mes parents. Il veut maintenant qu'on repousse la date du mariage. Mm-hmm. Ça ne devait pas te déranger. C'est pour ça que tu es inquiète. Maman, mais pourquoi je ne peux pas m'inquiéter? Hein? Tu sais que je lui ai dit que mes parents habitent à l'étranger. C'est une raison pour laquelle tu ne dois pas te déranger. Hein? Tu sais ce que je vais faire? Je vais prendre le photo favori de ton oncle pour que tu lui les montres. Et pour la dot, je vais parler avec mon ami Bernard pour que sa famille vienne se présenter. Hey, c'est ça. Cela marchera. Mais quoi donc? Maman, tu ne peux pas te laisser voir. Ça, c'est un petit jeu. Tu risques de découvrir. Ne te dérange pas pour ça. Je ne peux pas vous laisser voir. Non, tu ne me verras pas là-bas. Je ne viendrai pas. Parce que je suis sûre que l'air maman sera là. Bien, je reste ferme avec Bélé dans cette affaire. T'inquiète, je ne dirai à personne. Mais pour le tour de Béré, je serai là moi-même. Tu sais, Jonathan, il est tellement têtu. Vraiment stupide. Il ne se dérange même pas de voir sa famille, si sa famille sera là ou non. Il peut épouser Bélé sans pour autant voir sa famille. Hey. Mm-hmm. Il est juste stupide. Hey! Maman, sinon, leur famille est remplie de la stupidité. Hein? Et tous sont des stupides. Je pense aussi que leur maman est stupide. Tu crois que je me lève contre elle? Pourquoi? Même leur père n'avait pas... Ah, non. Cet homme était intéressant. Parce que tu le mets, n'est-ce pas? Maman. Allez, ma chère, sois détendue. Okay. Il n'y a rien. Hein? Maman, pas de problème. Tout est au contrôle. Laisse-moi aller à l'intérieur. Maintenant, tu m'as dit... des mots très forts. Alors, je vais mieux. maman. Ma mignonne Barbie. Maman, je suis comme toi. Déjà, si je commence, donc je fonce. Je ne peux pas t'arrêter en cours de route. On doit aller avec et ça. Et surtout quand je viens de toi. Ils sont en trouble. Et toi, va-t'en. Ah, Jonathan? Oui, je vous en. Tu es là? Ouais. Hein, j'aimerais qu'on parle. Est-ce que tu vas bien? Tu sembles ne pas être bien. Je vais bien. Je vais juste, qu'on en parle. Nous parlons déjà. Qu'est-ce qu'il y a? Hein, Tibouzo. Je veux que tu partages les affaires familiales. Que cela veut dire? Tu l'as dit pour quelles raisons? Je vais travailler seul. Je veux que tu le partages. Jonathan, tu blagues. D'ailleurs, finis avec cette causerie. Oh non, on avait déjà cette conversation, Tibouzo. Tu dois partager les affaires. Est-ce que je te dois? Je ne te dois absolument rien. Et je n'ai rien à partager avec toi. Tu parles de n'importe quoi, Tibouzo. Tu dois partager ces affaires, c'est ça. C'est arrivé jusqu'à ce niveau? Et à quoi penses-tu? Ne joue pas avec le feu, sinon ça va te brûler. Là n'est pas mon problème. Je t'aurai averti. On se verra. Mon fils, je n'arrive toujours pas à comprendre. Pourquoi veux-tu rompre avec ton frère? C'est quoi la raison? Pourquoi pas, maman? Je suis un homme. Je vais prendre le soin de moi-même. Je fais mes affaires jusqu'à demain. Est-ce que c'est beaucoup demandé? Mais faire les affaires avec Uchibozo ne t'empêchera pas de faire le tien pour demain. Exactement. Hein? Jonathan, s'il te plaît, je veux que tu oublies cette idée. Ne permets pas au diable d'entrer dans cette famille. Maman, écoute-moi. Je vais sortir. Je ne veux plus vivre avec Chibuzo. Je veux vivre seul. Est-ce que c'est beaucoup demandé? Je ne veux pas travailler avec lui. Jonathan.
Combien de fois t'ai-je appelé? Maman, 3 fois. D'accord. C'est des affaires familiales, qu'ils partagent. C'est pas grave. Maman, je ne comprends pas. Quelle bêtise que Jonathan est en train de dire. Il veut que je partage mes business avec lui. Notre business, pas ton business. Tu as pris l'argent de papa. Tu as utilisé les affaires de papa pour tes affaires. Mais partage. Écoute. Si tu veux, cherche la trompette. Je ne veux rien partager avec toi. Je dois continuer à gérer ces business de la manière dont je les fais. Oublie ce que tu racontes là. Oublie vraiment ce que tu dis là. Oublie cette idée, non. Je ne vais pas travailler avec toi. Partage les affaires familiales. C'est quoi ça? Chibuzo, tu es sans ignorer que ce business appartient à tout le monde dans cette famille. Oui. D'ailleurs, laisse-moi vous dire que je suis quelqu'un à féliciter parce que je gère ce business avec toute honnêteté. Vas-y. Si je n'avais pas gagné la vie, est-ce que tu devrais être ici pour dire ce que tu dis? Je sais. Mais vous êtes une même famille. Vous ne pouvez jamais vous séparer. À cause des business. Qu'est-ce que tu dis, maman? Ça doit être partagé. Partage les affaires. Allez, Jonathan, tais-toi. La ferme. Hein? Tcho. Qu'est-ce que c'est? Tout ce que tu veux entendre, c'est ma part. Hein? Qu'en est-il de Bob et Jonas? Personne ne parle à propos d'eux. Oh. Ou soit ils ne font pas partie de cette maman, famille. Maman, parle-leur. Parle-leur. Je ne sais pas pourquoi ils jouent à ces jeux dangereux entre eux. Pourquoi nous ne pouvons pas continuer de vivre en paix et dans l'amour comme nous le faisons auparavant? Chibuzo. Maman. Jonathan. S'il vous plaît. Je veux que vous puissiez vous calmer. Tous les deux, vous êtes de frères. Vous devez trouver un moyen pour résoudre ces problèmes dans l'amiable. Je vous en prie. Pitié. Ah, Dieu. Maman, écoute-moi. Il n'y aura pas la paix dans cette maison tant que les affaires ne sont pas partagées. Je ne veux pas cette histoire. Je veux en finir avec toi. Ça ne va pas se terminer comme ça. Tu dois partager les affaires familiales. Je n'ai rien partagé partage. Avec toi. Maman, il n'y aura pas la paix dans cette maison. Partage les affaires. Partage. Maman, non. Maman, non. Jonathan, il n'y aura pas la paix, maman. Pas non, ça. Il n'y aura pas arrête. La paix. Qu'il partage les affaires. Maman, moi je ne veux pas cette histoire. Il doit partager les affaires. Je ne veux même pas cette histoire. Partage les affaires, on s'arrête par là. C'est moi que tu pointes. Je te dis la vérité, partage les affaires. Oh, moi, je ne veux plus cette histoire. Mon moi, Dieu, tais-toi. Tais-toi, la ferme. Maman, je ne veux pas. Je ne veux pas. Ça c'est suffit. Partage les affaires et on s'arrête par là. Moi, je ne veux plus cette histoire. Tu ne sais pas vraiment ce qui te fait parler. Partage, si tu partage le savais. Les affaires. Je ne veux plus cette histoire. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est, Jonathan? Hein? Tu dois faire très attention avec moi. Ne me provoque pas. Ododi, calme-toi. Oh, mais qu'est-ce que je vois, hein? Qu'est-ce qui t'arrive? Maman, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu maman, as, mon fils? Calme-toi. Je partage les affaires, c'est tout ce que je veux. Hey. Tout ce que je veux, maman. Ne te l'avais-je pas dit? Dieu merci, j'avais raison. J'étais vraiment choqué. Je pensais que c'était une autre personne qui est mon frère. Tu ne connais pas vraiment ton frère Chibuzo. Hey. Chibuzo est égoïste, rancunier et méchant. Maintenant, tu dois l'arrêter, oui. Oh. Maintenant, je comprends pourquoi on dit que l'argent, c'est un mauvais maître. Écoute-moi très bien, Jonathan. Tu dois prendre ce qui t'appartient. Obligé. Si seulement tu dois te battre pour les avoir, Jonathan, je te dis, bats-toi. Non, il n'a pas encore vu ce que je vais faire. Chibuzo, je dois avoir une partie de ce business. Bam. Ah, maintenant, tu parles comme un homme. Tu parles maintenant. Je vais lui montrer. Oui, écrase-le. Il verra. Mais ton frère est vraiment méchant. Mais je vais lui montrer. Il est vraiment avare. Je vais lui montrer comment être méchant. Tu dois le mettre à terre. Mon amour, s'il te plaît, fais-le pour la paix et laisse-le partir. Je ne veux pas qu'il y ait division dans ta famille, s'il te plaît. Tu sais, j'avais fait de mon mieux pour réunir mes frères ensemble. Mais Jonathan est le seul qui s'entête ici. Je sais. S'il te plaît, laisse-le partir. Il est déjà un adulte, alors s'il veut faire son chemin, laisse-le faire. Non. S'il te non. plaît. Non, je sais ce que tu veux dire, mais je suis totalement contre ça. C'est une affaire familiale.
Il doit y avoir un arrangement avant que nous le commencions. Et nous allons continuer de cette manière. Tu n'étais pas comme ça. Mon amour, s'il te plaît, laisse que la voix de la raison te parle, s'il te plaît. Je n'aime pas du tout ce qui arrive. Je ne peux pas rester silencieuse. Alors, s'il te plaît, laisse-le partir. Écoute, tu es un homme bon. Ne le laisse pas t'échanger. Tu es la personne que je suis en train de voir maintenant. S'il te plaît, mon amour. Je t'en supplie. S'il te plaît. Maman, cet aveugle a pu décrire tout ce qui se passe dans ma vie. Mais moi, je ne pouvais pas y croire. Maman, si je n'étais pas là, je n'allais jamais croire à ça. Mais j'étais là. Je pus tout entendre de mes propres oreilles. Tibouzo a voulu me tuer. Il veut avoir toutes les affaires pour lui-même. Moi. Hey! Ah. J'ai l'impression de rêver. Jonathan, es-tu sûr de ce que tu dis? Es-tu sûr que ces voyants aveugles savaient ce qu'ils disaient? Maman, tu dois me croire. Je n'ai jamais vu cet aveugle. Jamais de toute ma vie. Tu dois me croire. Non, ça ne peut pas être vrai. Ça ne peut être vrai. Ça a l'air d'un conte de fées pour moi. Tu étais là. Chibozo a tenté de tuer son propre sang. Tu étais là. Hein, tu dois croire à ça. Chibouzé nous mentait depuis tout ce temps. C'est maintenant la vérité qui vient de sortir. Guilher. Non. Non, 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 je ne peux pas croire à ça. Hey! Mon propre frère. Je l'ai dit franchement, comment je peux arriver à tuer mon propre frère? J'étais là. Voilà. Et j'ai entendu le voyant aveugle appeler ton nom. Qu'est-ce que Jonathan t'a fait pour que tu cherches à mettre fin à sa vie par tous les moyens? Imagine. Jonas, je ne peux pas croire que ceci vient de ta bouche. Maman, tu me connais. Jonathan, c'est mon frère. Je n'ai aucun intérêt de lui faire du mal. Maman, Tibouzo. Tibouzo, tu es un caméléon et Dieu va t'exposer. Écoute, Jonathan. Je n'ai pas la même mise dans tout ce qui t'est arrivé. On t'avait enlevé et gardé quelque part. Hein? Et c'est pour ça que tu as essayé de me tuer? Merci Seigneur d'avoir sauvé ma vie. Maman, il n'y a personne que j'ai envoyé pour les tuer. Jonathan, c'est mon frère. Je ne peux pas comploter aucun mal contre lui. Je ne sais pas de quoi il parle. Je suis innocent. Si tu es innocent, alors jure. Oui. Jure devant tout le monde. Jonathan, sais-tu ce que tu es en train de dire? Tu demandes à ton frère de jurer. Oh maman, arrête de dire ça. Hein? Qu'il jure là-bas, maman. Qu'il jure là-bas devant tout le monde. Si tu es innocent, passe ici. Jure. Vous voyez? Et si je ne le fais pas, si que je meurs? Maman, innocent comme tu l'as dit. Passe ici, jure. Vas-y. Passe ici, on t'attend. Nous venons d'enregistrer la victoire la plus grande de notre famille. Ils sont maintenant en feu, hein? Ils n'auront jamais la paix dans cette maison. Jamais. Et ils vont se battre jusqu'à ce qu'ils vont s'entretuer. Oui, qu'est-ce que tu es en train de dire? Je sais qu'il finira toujours par s'excuser auprès de toi. Maman, ils vont perdre tout ce qu'ils essaieront de faire pour le bien. Ah. Oui. Nedima, il est temps pour toi de payer les pots cassés. Tu verras, tu n'as encore rien vu, tu le verras de toutes les couleurs. Aïe. Maman, j'ai adoré ton expression faciale. Je vois déjà ce bonheur à l'intérieur de toi. Ça s'appelle douce revanche. J'aime ça, c'est vraiment comme tu le dis. Nedima. J'aime le terme que tu as utilisé. Douce revanche. Hey. Alors que vas-tu faire maintenant, Jonathan? Je ne sais pas. Mes affaires ne marchent plus. Je suis en train de chuter. La banque a saisi ma maison.
Et le pire dans tout ça, Abili m'a quitté. Je ne sais même plus quoi faire. Je suis confus. Ah, je ne sais pas. Mon Dieu. D'où est-ce que ça vient tout ceci? Que vas-tu faire maintenant? Ah, mon frère, je ne sais pas. Je ne sais même pas par où commencer. Je n'ai nulle part où emprunter. Bien, je crois que tu dois aller voir maman et que tu lui dises tout ce qui t'arrive. Ça, c'est mon point de vue. Tu crois vraiment? Tu penses vraiment que je devais rentrer au village? Retourner là-bas? Tu fais attention à ce que les gens disent ou tu veux trouver une solution à tes problèmes? Pense à ça. Maman, suppose que tu aimes travailler après les services. Tu sais que je suis nulle en devinette. Oh, maman, tu ne peux pas oublier ça. CBN. La Banque Centrale de Nigeria. Oui. Maman. Jonathan. Ah. Jonathan. Hein? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Maman. Maman, je suis fini. Je rejette cela. Allez, viens. Viens, mon fils. Et... attention. Allez. J'ai tout perdu, maman. Maman, je suis fini. Le sang de Jésus. Je l'ai dit, la vie. Comment ça? C'est fait, oh Seigneur. Les affaires n'ont pas marché. Même la banque a saisi ma maison. Hey! Quand vous me voyez, je n'ai rien du tout. Hey! Pourquoi moi? Je savais que ceci arriverait. Hey! Maman, j'ai très faim. Je n'ai pas mangé depuis le matin. Hey! Oh mon Dieu! Allez, lève-toi. Viens l'aider. Laisse-moi porter ton sac. Ça va aller. Hey! 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 Arrête de pleurer. Hein? Tu dois arrêter de pleurer. La vérité que tu as détruit toutes les opportunités. Tu t'es révolté contre les personnes qui t'ont tout donné. Tu dois t'approvisionner. Mon frère, je ne suis pas en train de pleurer à cause de tout ce que j'ai perdu. Je suis en train de pleurer à cause de ce que je fais à Tibouzo. Mon propre frère, il a fait tout pour moi et je lui ai remis le mal. Ce que tu as fait n'est pas bon. Hey! Tu as combattu les choses qui te nourrissent. Mais tu as encore fait des erreurs. Hein? Mais tu dois juste passer à autre chose. Hein? Penses-tu que Tibouzo va me pardonner? C'est tout ce que je veux en ce moment. Lui pardon. Je ne sais même pas s'il va accepter mes excuses. Honnêtement, je ne peux pas parler à Tibouzo. Toi et moi savons que c'est une personne très impulsive. Tu dois juste essayer de l'approcher et de lui demander de te pardonner. Je prie qu'il aura le cœur de Jésus. Oh, Seigneur, je suis désolé. S'il te plaît, pardonne-moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. Ça va aller, mon frère. Ça va aller. Hey! Tout va bien se passer.
mon amour. Allô, bébé? S'il te plaît, reviens. Je ne me sens pas trop bien. S'il te plaît. Quoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé, bébé? Dis-moi. C'est quoi le problème? Je ne sais pas. S'il te plaît, reviens. D'accord, bébé. Bientôt, je serai là avec toi. Je serai là avec toi, bébé. S'il te plaît, viens, viens. Je viens, bébé. Sois calme. Qu'est-ce qui est arrivé à ma femme? Qu'est-ce que je disais? L'aveugle voyant avait raison. Tibouzo est méchant. Il ruine notre destinée. Il détruit la famille. Il faut qu'on trouve une solution. Jonathan. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi. Tu as encore une fois commencé. C'est de cette façon que tu t'es rébellé la dernière fois. Oh. Hein? Calme-toi et permets à la paix de régner dans cette famille. Maman, tu parles de la paix? Comment est-ce qu'il aura la paix si Tibouzo ne veut pas laisser la richesse de la famille? Maman, il doit partager les affaires. Attends. Il t'a aussi envoûté? Oh, Jésus. Non, tu as tort. Tibouzo n'est pas un démon. Je connais bien Tibouzo et je sais qu'il ne veut que la paix pour cette famille. Et tu veux qu'il t'aide pour ta situation difficile. Des histoires. Juste de tonton, il sera là. Ah, Tibouzo, venez ici, dans cette maison. Il ne viendra pas. Oh, Seigneur. Qu'est-ce qui arrive à ma famille? À qui est-ce que je fais du mal? Maman, calme-toi. Tu n'as fait de tort à personne. Hein? Je crois que Tibouzo est en train d'arriver. Il peut être pris dans les embouteillages. Laisse-moi juste prendre mon téléphone et je vais l'appeler pour savoir où il se trouve actuellement. Oui? Non, sois patiente. Sois patiente. Il doit définitivement passer par cette route. D'accord? Reste en alerte. Il finira par y passer. Ok. Maman, tu veux dire qu'elle ne l'a pas encore vu? Pas encore, oh. Hey. Mais je crois qu'il finira par passer par cette route. Cette situation est tellement forte. Et c'est si risqué de jouer. Ça ne va jamais échouer. Cette opération que j'ai planifiée toute ma vie, oh, ça finira par marcher. Je ne pense pas. Tu sais, ton frère est toujours dans le charme. Hein? Il fera tout pour me rendre heureuse. Il le fera. Il ne va pas échouer. Ça finira par marcher. Chica doit mourir. Il doit attendre. Oui, yo. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, c'est quoi? Franchement, je ne comprends pas. Je n'avais pas d'autre choix que de te parler de ces stupides Jonathan. Je voulais que tu reviennes avant que les choses s'empirent. Tu as voulu que je parte. Pourquoi tu as changé d'avis soudainement? J'ai changé d'avis. Je ne veux plus que tu te réconcilies avec ton méchant de frère. Laisse-le juste comme ça. Je crois que ça me va. Tu vois? Je n'ai jamais pensé à Jonathan, mais c'est toi qui m'as poussé à y aller. Ok, et maintenant j'ai réalisé mon erreur. J'ai un peu réfléchi. Comment tu peux chercher la paix avec quelqu'un qui a voulu même te tuer? Tu vois? Je suis heureux parce que tu commences à réfléchir comme moi. Oui, tu commences à comprendre pourquoi je te dis qu'il faut rester loin de ces jeunes hommes. Oui, maintenant je comprends.
Mon cœur t'avait aussi beaucoup manqué. Et je voulais que tu reviennes pour que je me sente mieux. Attention avec ces jeux que tu joues. Attention avec ces jeux. Fais attention, je te mets en garde. Ne décroche pas. Ah, maman, il n'est pas pour les appels. Maman, arrête de perdre ton énergie. Il ne va pas venir. Il sait ce qu'il est en train de faire. Il ne va même pas décrocher l'appel. Nous ne pouvons pas être sûrs qu'elle fait ça délibérément. Écoute, laisse-moi te dire une chose. Tu ne connais rien du tout de lui. Tu ne connais rien du tout. Thibuzo, c'est le diable incarné. Il est tellement méchant. Je ferai tout de mon pouvoir pour prendre ce qui m'appartient. Je le ferai. Il est trop méchant. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui arrive à mes enfants, mon Dieu? Maman, attendez un peu. Je pense qu'elle a payé la fille. Oui, oui, oui. Appelons-lui encore. Emmanuel, je suis tellement déçu. Hé! Hey, tu as déçu toute la famille, Emmanuel. Tu n'as donc pas pu réaliser cette petite mission que je t'ai confiée. Maman, j'avais fait tout ce que j'étais censé faire. J'étais arrivé là plus tôt et je l'ai attendu pendant plus longtemps. Mais je n'ai pas pu le voir. Il n'est même pas passé par ce chemin en tout cas. Crois-moi. Emmanuel, je ne te crois pas. Si réellement tu n'avais pas somnolé, tu allais le voir passer là. Oh. Je ne suis pas un imbécile. Comment puis-je aller dormir là-bas? Sur la route? Hé hey. Emmanuel, tu m'as tellement déçu. Hé, hey, je tenais à verser les sangs de ces garçons à tout prix. Je voulais que cette famille soit plongée dans le deuil aujourd'hui. Tu es lâche. Crois-moi, maman. J'étais vigilant tous azimuts. Mais je n'ai vu en aucun moment sa voiture passer par cette route. Aujourd'hui, crois-moi, maman. Quelqu'un a-t-il appelé sa femme? Maman, bon après-midi. Allez, maman. Tu dois arrêter de t'en faire. Hein? Tu t'inquiètes beaucoup. Et tu vois bien que c'est lui qui a décidé de ne pas venir. Ne reste pas là-dedans. Je suis inquiète. Pourquoi Chibuzo m'ignore? Pourquoi n'est-il pas venu comme il avait promis? Comme il a promis, tu as dit. C'est exactement mon point de vue. Hein? Nous devons savoir si tout va bien avec lui. Nous devons savoir pourquoi il ne pourrait pas le faire. Hein? Maman, tu sais bien Chibuzo. Il t'aime et il te respecte. Il ne peut pas juste te tourner le dos comme ça. Ongobu, est-ce que ça pourrait être qu'il est coupable de ce que Jonathan l'a acquise? Voilà pourquoi il commence à se cacher. Maman, ne pense pas comme ça. Chibuzo n'est pas un démon. Il ne l'est pas. Hein? Je ne peux juste comprendre que... Qu'est-ce qui l'empêche de venir? Où est mon téléphone? Est-ce que tu vas bien? As-tu perdu tes sens? Pourquoi tu pouvais rappeler Chibuzo? Comment oses-tu gâcher ma mission? Maman, je suis désolée. Je ne pouvais pas le laisser mourir. Il est quand même mon mari. Il est mon ennemi. Maman, je l'aime. Maman, je commence à l'aimer pour de vrai. Peux-tu fermer ta bouche? Comment oses-tu me parler de l'amour? Comment oses-tu me parler de ce stupide amour avec mes ennemis? Ah non, merci. Tu as tout gâché. Ces plans allaient bien marcher si seulement tu n'avais pas tout gâché. J'ai passé toute ma journée à cet endroit-là. J'étais d'ailleurs blâmé de ne pas avoir réussi, ne sachant pas que c'est toi qui as tout causé.
comment peux-tu être si méchante envers cette famille? Hein? Ma mission est d'infliger dans la mesure du possible autant de peine, de chagrin et de pleurs à cette famille. Et toi, tu oses me parler de l'amour? J'ai pris toute une décennie de ma vie pour planifier cette mission que tu viens à peine dégâcher à cause de ce stupide amour que tu as pour mes ennemis. Maman, je fais tout ce que tu m'as demandé depuis le début sans même me plaindre. J'ai même convaincu Chibozo de m'épouser juste pour te satisfaire. Et maintenant que je l'ai aimé du fond de mon cœur, c'est un homme bon. Et allez, il sait que je l'aime et lui aussi m'aime à son tour. Ferme-la! N'ose plus encore dire un mot. Tu ne connais encore rien de ce surnom enfant du diable. C'est moi qui porte la chaussure. Et je sais où ça pique. Écoute-moi, Messie. Si ce garçon ne se retrouve pas dans la tombe que j'ai creusée pour lui, tu vas regretter la première fois où tu m'as appelé ta mère. Ne te mets pas dans cet état. Je t'en prie, mon fils Jonathan. Ne tirons pas d'abord des conclusions hâtives jusqu'à ce que nous saurons pourquoi il n'était pas venu hier. Maman, tu oublies une chose. Chibuzo sait exactement ce qu'il fait. Hein? Il sait exactement ce qu'il fait. Il n'est pas un enfant, maman. Jonathan, je suis ta mère. Et je te dirai toujours la vérité. J'ai donné naissance à Chibuzo ainsi qu'à toi. Je vous connais très bien. Chibuzo n'est pas celui que tu as toujours dit. Maman, arrête! Tu ne fais que le défendre, maman. Chibuzo est méchant et je ne vois pas pourquoi tu ne vois pas ça, maman. Je comprends ta frustration. Mais tu dois aussi savoir que tu as mis Chibuzo dans un mauvais piédestal qui fait en sorte qu'elle puisse avoir du mal pour te pardonner. Laisse-moi te dire une chose. Jamais de ma vie, je pardonnerai Chibuzo. Écoute, je ferai tout de mon pouvoir pour me venger de tout ce qu'il m'a fait. Regarde-moi. Jonathan. Eh bien, pourquoi tu m'appelles à cette heure? Mais qu'est-ce qu'il y a? Ok, je t'appellerai plus tard. Ok, bye bye. Ah, c'est qui? C'est l'un de mes amis. Je te vois calme et triste. C'est quoi le problème? Ah, triste, moi? Oh, c'est une amie. Elle ne se sent pas bien. Elle est à l'hôpital. Et son mari n'est même pas ici. Ah! Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Ne t'inquiète pas. Elle a appelé sa cousine. Elle ira mieux. En passant, je pars chercher quelque chose en route. Je rentre bientôt. Oui, prends soin de toi. Eh bien, il ne faut plus m'appeler comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, juste? Mais pourquoi? Attendez-moi, je vais venir là-bas, c'est tout. Maman? Maman? Hé, hé! Maman, regardez ce que je vous avais dit. Regardez. On vient de nommer le gouverneur de la Banque Centrale. Maman, la lire où vont les choses? Dans les 15 prochaines années, je serai le nouveau gouverneur de la Banque Centrale. Jonathan? Maman? Où est-ce que tu vas? Maman, je reviens. Tu sais que tu n'as nulle part où aller. Tu n'as plus de maison. Maman, je ne suis pas un enfant. Je vais prendre soin de moi. Écoute, s'il te plaît, calme-toi. Essayons de réunir nos efforts. Oh? Maman, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Je vais prendre soin de moi-même. Lorsque je serai là-bas, je vais... Jonathan, je crois que tu dois écouter maman. Elle n'a pas d'argent. Comment est-ce que tu vas survivre? Comment est-ce que tu vas t'en sortir? Écoute, personne ne va m'arrêter. Ok. Je vais arriver là-bas et je vais m'arranger. Une fois là-bas, je vais vous appeler. Ok? Ok, d'accord. Maman? Cody? Hey, Dieu, que rien ne puisse arriver à mon fils.
Maman, vous vous inquiétez beaucoup. Comme il a dit, c'est un homme, il peut prendre soin de lui. Hein? Maintenant, revenons à ce que je disais. Je serai le prochain gouverneur de la Banque Centrale. Vous devrez voir le site que j'ai consulté. J'avais gouverné avant qu'ils appellent mon nom. Grâce à lui, arrête-moi ça. Maman, calme-toi. Essaie juste de te calmer. S'il te plaît, calme-toi. Nous allons réussir notre plan. Fais-moi confiance. Arrête de me faire le moral. Comment je peux me calmer pendant que ma propre fille devient un obstacle pour moi d'atteindre mes objectifs? Je lui ai déjà téléphoné. Et je sais que nous allons lui faire entendre raison. Elle va bientôt comprendre. Crois-moi. Aussitôt qu'elle revient, nous allons lui faire comprendre ce que ça vaut. Nous ne pouvons pas abandonner ici. Nous venons de très loin. Jamais! Personne ne m'empêchera d'atteindre cet objectif. Même Messi ne peut pas m'empêcher d'infecter cette famille de mon venin. Je les mettrai en pleurs jusqu'à ce qu'ils verseront du sang à la place de larmes. Maintenant que tu es ici, Jonathan, qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Je vais réfléchir. Aux prochaines étapes, je prendrai. Bien. Ça ne fait aucun problème que tu restes ici. Merci beaucoup, mon frère. Non, tu n'as pas à me remercier. Je suis ton frère. Je comprends exactement à quoi sert la famille et je ne suis pas Tibouzé qui ne le comprend pas. Quant à Tibouzé, lorsque tout sera fini, lorsque je vais vraiment libérer ma tête, je vais penser à lui. Je vais lui faire comprendre qu'il n'est pas le seul à connaître où aller exactement. Je vais en finir avec Tibouzo. Je vais créer la différence entre lui et moi. Bien. Je vais te soutenir peu importe ce que tu feras. Comme Tibouzo a jeté un mauvais sort sur toi. C'est vraiment malheureux. Mais ce qui me surprend beaucoup, c'est maman. Maman ne le comprend pas. Il ne voit rien du tout dans ces méchants hommes. Elle ne voit pas ce qu'il fait. Il ne les a même pas blâmés. Il les a directement chassés. C'est vraiment malheureux. Tibouzo. Je viens pour toi. Oui. Ah, chérie, tu sors? Ah, mon amour, tu te souviens de mon ami qui était malade? Tu sais, sa cousine n'était pas venue. Alors, elle a dormi seule. Je vais aller vite pour savoir comment elle se porte et lui apporte aussi quelque chose. Ok, pas de problème, juste prends ton temps, reste avec lui. Prends bien tout ton temps de bien prendre soin de lui. Oh, mon amour, ne dis pas ça. Ça me prendra juste quelques heures. Pourquoi je vais aller traîner là-bas? Je vais juste lui rendre visite, puis revenir te préparer le dîner. Hein, mais si tu insistes que je reste là-bas, je vais rester. Je sais que tu es un bon homme. Je vais rester. Tu vas m'aider à préparer la nourriture. Je ferai n'importe quoi pour mon toi. Amour. Alors laisse-moi aller rapidement. Ok. Prends soin de toi, mon amour. D'accord. Doucement, oh. Nedima, Maravi, le seul homme que j'ai aimé de tout mon cœur et de toute ma vie. Malgré qu'elle savait que j'étais enceinte de lui de quelques mois, elle ne s'est pas empêchée de le mettre sous son charme. Il a séduit jusqu'à ce qu'il l'épouse. J'étais noyée dans la souffrance. La seule chose que j'étais allée avec, involontairement, c'était ma grossesse. Mes parents m'ont rejetée. Tout le monde m'avait abandonné. Je pleurais toute la nuit et tout le jour, essayant de faire passer ma peine. Après 9 mois, j'ai eu cet enfant. Quelques temps après, j'ai perdu le bébé à cause du froid.
Je n'avais aucune couverture sur moi pour me parer du froid. Ah, Nedim. Ah, je paierai cette femme avec sa propre monnaie. Elle doit réaliser toute le peine par lesquelles je suis passée. Tu vois, tu comprends pourquoi c'est important pour toi de nous rejoindre dans ces combats? Est-ce que tu comprends? Entendre cette histoire m'énerve tellement. J'ai le sentiment de tous les tuer. Comment une femme peut faire ceci à son semblable? Ils vont payer pour tout ce que leur méchante mère t'a fait. Merci. J'ai énormément cette envie de tuer cette femme de mes propres mains. Non. Je ne veux pas qu'elle meure. Elle doit vivre en souffrant. Je vais éliminer ses enfants. Un après l'autre. Jusqu'à ce qu'elle se donne la mort. Elle va se donner la mort à petit feu. Jusqu'à s'éteindre. Elle doit sentir les douleurs que j'ai expérimentées moi aussi. À mon temps. Maman, je comprends parfaitement tout ce qui te rend en colère contre cette femme. Oui, je comprends. Mais maman, tout cela s'est produit au passé. Tu n'es pas mort, maman, n'est-ce pas? Tu as survécu. Alors pourquoi pas lui pardonner et la laisser vivre en paix? La paix, pardonner, ça n'existe pas dans mon dictionnaire. Nedima ne vivra pas la paix de toute sa vie. Je vais me rassurer de la faire réaliser les souffrances par lesquelles je suis passée. Nedima va s'écrouler. Maman, j'aime mon mari. J'aime beaucoup, beaucoup Chizoba. Alors je ne peux pas. Je ne peux jamais, jamais vous rejoindre dans votre plan. Maman, tu as des problèmes avec leur maman. Pourquoi pas en finir avec elle? Tu veux aussi mêler ses enfants dans ça? Nedima a brisé notre amitié. Il y a longtemps, en me ravissant mon mari. À cause de Nedima, j'ai perdu le premier fruit de mes entrailles. Ah, Nedima va souffrir. Elle va en payer le prix. Elle en payera le pot cassé. Elle mourra de façon misérable. Elle en payera le prix. Jonathan? Pourquoi te tracasses-tu autant? Tu dois te reposer. Écoute, je sais de contacter Ebele, c'est très important. Ne me dis pas que tu veux repartir chez cette fille après tout ce qu'elle t'a fait. Je comprends, mais Ebele, c'est la seule personne qui peut m'aider dans cette situation. Une fille qui t'a trompé, qui t'a détruit et qui t'a laissé à mort? Voyons, essaie un peu de réfléchir. Jonas, je connais ce que tu ressens à propos d'Ebele. N'oublie pas que c'est la seule personne qui m'a aidé lorsque tu vous étais contre moi. Et j'appréciais beaucoup toutes les idées qu'elle m'a données. J'ai besoin d'elle. Et bien, elle aussi, ma femme. Honnêtement, je ne suis pas d'accord avec ton idée. Pas du tout. Mon frère, calme-toi. Je sais ce que je suis en train de faire, ok? Maman a raison. Tu dois mettre de côté cet amour que tu es en train de développer pour cet homme. Nous devons agir rapidement. Essaie un peu d'imaginer les douleurs qu'a pu endurer maman d'entre les mains de cette méchante femme. Voyons, merci. Maman a plus qu'autant fait pour nous dans cette famille. Et nous devons aussi à notre tour la rendre heureuse. C'est la seule chose dont elle attend de nous maintenant. Merci, fais-le pour maman. Fais-le et soyons enfin heureux. Merci. Prends. Mets-les dans sa nourriture ou encore dans sa boisson. Quand il va les prendre, il mourra petit à petit. Je suis navrée, maman. Je ne le ferai pas. Je vais encore vous le répéter pour la dernière fois. Je ne veux pas tuer mon mari. Je ne le ferai pas. Mais si. Ne me refuse pas ça. J'ai assez toléré tes bêtises. Maman, j'ai travaillé avec toi il y a longtemps et maintenant c'est assez.
Maman, c'est quoi ça? Maman, je ne peux pas tuer mon mari. Je ne suis pas comme toi. Je ne peux pas tuer un homme dont je suis follement tombée amoureuse. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Excuse-moi, maman. Maman, permets-moi au moins de frapper cette fille pour une fois. Merci. Quelle audace. Il y a quelque chose qui ne marche pas quelque part. Alors, maman, nous devons agir très rapidement. Écoute, tu ferais mieux de ne pas voir cette fille. Je t'avais déjà expliqué, Dunas, n'est-ce pas? Bien, tu l'as fait, mais je me sens réservé. Écoute, cette fille connaît beaucoup de gens. Elle connaît des bonnes places. Et elle peut m'amener dans une bonne place pour trouver une solution. Il faut que je la voie. Mais mon frère, tu sais, je pense que ce n'est pas sage d'aller la voir. Je connais ce qu'elle a laissé, ce qu'elle a dit. En fait, aucune femme ne peut rester avec un homme sans argent. Ce n'est pas facile, est-ce que tu comprends? Je vais la chercher, ne t'inquiète pas, d'accord? D'accord, pas de problème, mais sois prudent. Je le ferai, promis. Calme-toi. On se voit plus tard, d'accord? Je l'espère donc. Honnêtement, je suis confus avec ce que Mercy fait. Comment peut-elle juste décider de laisser notre plan comme ça? Un plan que nous avons bâti et conclu depuis très longtemps. Hein? J'ai toujours su que Mercy n'allait pas le faire. Elle a toujours été une folle. Regardez-moi tout ce que Mercy a pu causer. Mais je pensais que si on arrivait à lui parler, elle allait changer sa décision. Mais non! Voilà maintenant. Elle est tombée amoureuse. Amoureuse de son propre ennemi. Ah! Merci. Merci. Ah! C'est qui ça? Est-ce que... Attends-tu quelqu'un? Qui est-ce? Jonathan? Qu'est-ce que vous cherchez? N'est-ce pas la parcelle de mon fils Chibozo? Bien sûr, c'est la maison de Chibozo, mais je dois le bon informer. Oh, oh monsieur. Ah, mais Chibozo, c'est mon fils. Abraham! Madame! Oh, laisse-la entrer, c'est ma belle-mère. D'accord, madame. Entrez, maman. Ah, c'était vous. Soyez la bienvenue, madame. Maman! Comment vas-tu, ma fille? Je vais bien, maman. Bienvenue. Hey, maman, bienvenue. Merci. Comment était ton voyage? J'étais bien. Tu es très belle. Merci, maman. Regarde-toi. Merci, maman. Bienvenue. Merci. Maman, s'il te plaît. Où est-ce que tu vas? Aide-moi à demander pardon. Vais-tu m'embrasser? Non, maman. Et tu n'as qu'à reculer. Explique, s'il te plaît. Je suis désolé. Pardonne-moi. Aide-moi à demander pardon. Tu l'appelles bébé? Où est-ce que tu veux aller? À peine tu m'as demandé de la supplier pour oui, toi. Maman. Tu oses l'appeler bébé et tu avances. Calme-toi. Hein? Tu n'as vraiment pas de retenue. Désolée, maman. Né. Tu l'as entendu. Tu as le dernier mot. C'est toi la maîtresse. Qu'est-ce que tu as à dire? Voyons maintenant de quelle manière je t'ai pardonné. Dis-le-lui. Avant que tu n'ailles te suicider, pas de problème. J'espère que tu as compris. C'est mieux. Puisque mon cas est différent, sinon tu diras que je suis méchante. Suis-je méchante? Non, maman. Pardonne-lui. Pardonne-lui. C'est seulement pour ma mère. Merci. Merci, maman. Qu'il reste encore à genoux, il peut s'élever.
Arrête de t'agiter, calme-toi. Désolé, mon amour. Lève-toi seulement. Merci, 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 mon amour. Merci. Oh, vas-y doucement. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ça? C'est quoi le problème? Ok. J'ai trop rapide. Que je vienne avec toi. Aller avec elle où? Reste là. Assieds-toi là-bas, j'arrive. Assieds-toi là. Désolé, maman. Chibuzo, je suis venu savoir pourquoi n'étais-tu pas venu au village, comme tu me l'avais promis au téléphone. Il n'y a pas de raison, maman. Hein? Et aucune raison? Et tu n'étais pas venu? Ok, maman. J'ai décidé de ne pas faire la paix avec ces garçons stupides, Jonathan. Il est mon ennemi et je ne peux pas collaborer avec mon ennemi. Hey, Chibuzo, est-ce que c'est vraiment toi qui es en train de parler? Qu'est-ce qui se passe? Hey, Odima, pourquoi refuses-tu de répondre à mes appels? Maman, je ne crois pas que tu as fait un long trajet du village jusqu'ici pour parler de Jonathan. S'il te plaît, je t'en supplie. Je ne m'attendais pas à cette causerie. Hey! Mais ma fille... Maman... Ne conseilles-tu pas ton mari? Hey! Maman, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Pourquoi me condamnes-tu, hein? Il n'y a rien que je n'ai pas dit à mon mari. Maman, il n'y a pas une nuit que je ne l'ai pas supplié de laisser la paix régner. Mais, maman, tu dois le savoir qu'il essaie aussi. Hein? Mais de toutes les façons, je suis heureuse que tu sois là pour que nous réunissions nos bouches et lui parler. Peut-être qu'il va t'écouter. Pardon, hein? Pardon, pardon. Maman, s'il y a une autre raison qui t'a amené ici, c'est bien de nous focaliser sur ça et mettons Jonathan de côté. Maintenant que Messi s'est mis en union avec nos ennemis, en nous empêchant d'attraper Chibuzo dans notre piège, Jonathan devient le seul moyen qui nous permettra d'arriver à atteindre cet objectif. Tu as vraiment raison, maman. Nous devons nous rassurer de l'utiliser pour atteindre notre but. Oui, yo. Oui. Et sache que l'exécution de ces plans entre tes mains, Ebele. Rassure-toi que Jonathan n'aie pas la paix, lui et toute sa famille. Crois-moi, je rendrai Jonathan misérable. Il ne va pas souhaiter me rencontrer pour la deuxième fois. Je te fais confiance, ma fille. Un après un, ils seront tous éliminés. Maintenant que je lui ai pardonné, il me fera confiance pendant toute sa vie. Il va se donner à moi. Alors je vais tout essayer pour le mettre à terre. Ça, c'est très très bien. Oui, oui. Formidable. Formidable. Tu mourras. Chibuzo. Maman? Du fait que tu refuses de m'écouter et pardonner ton frère, peux-tu au moins m'amener chez Jonas pour que je le voie avant de rentrer au village? S'il te plaît, maman, je n'irai nulle part. Chibuzo, mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est depuis quand que tu es devenu aussi dur envers ta mère? J'ai dit je ne pars nulle part. Tu peux l'appeler par ton téléphone. Donc maintenant tu commences à me parler n'importe comment? Maman, qu'est-ce que j'ai dit de mal? J'ai dit, appelez d'abord, comme ça il va venir. Je ne veux même pas aller chez lui, c'est très loin, ça va me créer des stress en partant là-bas. Je ne vais pas y aller. Psst. Ok, merci. J'appellerai mon fils. Jonathan? Jonathan! Bébé? Ah,
Jonathan n'est pas là, c'est Jonas. Je prends bain, je suis dans la salle de bain. Ah, ok. Oui, mon amour. Tu sais que je t'aime encore. Je sais. Peu importe tout ce qui nous est arrivé dans le passé, je ferai tout ce que je pourrai pour t'aider. Je sais. Je t'aime aussi. Je t'aimerai toujours. J'ai trouvé un nouvel endroit. Je t'y emmènerai. Ok. Et aussi, tu recevras les réponses de toutes tes prières. Tout ira encore pour le mieux. Crois-moi. Écoute-moi, bébé. Je suis prêt à tout faire. J'irai avec toi partout où tu veux. Aussi longtemps que tu es malade, moi, ça ne me fait pas du bien. Je suis prêt à partir où tu veux. Où veux-tu que j'aille maintenant? Calme-toi. Je suis calme, mais c'est juste... Il faut que j'aille. Quand est-ce que nous allons partir? Je suis contente que tu veuilles le faire. Ok, là, tu sais. Quand est-ce que j'irai? Qui frappe à la porte? Oh, tu es là? Je sais pas. Est-ce que maman est là? Maman est là. Orgat et les autres sont aussi là-bas. Dis-leur que je suis là. D'accord. Ah! Okajuka! Est-ce que ça va? Mais tu allais bien, non? Ogao! Jonas! Jonas! Jonas? Jonas! 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 Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Jonas? Jonas! Jonas? Jonas! Jonas, qu'est-ce qu'il a? Jonas, 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 hey. Jonas, 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 laissez-moi ouvrir la porte. Écoute-moi, je comprends que tu veux m'aider, mais pourquoi cet homme me pose des questions qui n'ont pas de sens? Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu commences à me faire croire que tu es vraiment sorcier. Est-ce que tu l'as entendu? C'est tellement un crime lourd. Oh! Jonathan, tu as révélé le démon qui dormait en moi. Tu sais quoi? Je pense que tu dois l'arranger tout seul. Mets-moi hors de ça. Mais, calme-toi. C'est pas ce que j'ai dit. Calme-toi. Maman m'appelle. Hein? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne vais plus le perdre cette fois-ci. Je veux un résultat. Un résultat tangible. Hein? Et ces résultats, tu l'auras certainement. S'il te plaît, calme-toi, maman. Hein? Calme-toi. Ah. Je veux un résultat. Arrête de faire du blablabla. Hein? 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 Ça veut dire quoi, ça? Maman, je suis heureuse. Parce que je suis heureuse, Jonas est mort. Wow. Mm-hmm. Wow. Es-tu sérieuse? Quelle bonne nouvelle! Et ce n'est pas que ça. Jonathan est tombé par terre. Comme un petit enfant. Maman, ce n'est pas fini. Ils verront de toutes les couleurs. Maman, tu vois? Je t'avais dit de te calmer. Tu vois maintenant que ça marche. Wow. Allez, ma soeur, viens, frappe ici. Allez. Prends-le, mon frère. Au moins, né de m'avoir souffrir de la même douleur que j'ai eu à voir. Exactement. Tu vois beaucoup. Merci, tu as maman. Fait ma fierté, je t'aime, ma fille. Maman. Wow.
Maman, ça suffit. Tu as assez pleuré. Ce qui est arrivé ne peut pas être changé par toi, non plus par moi. C'est Dieu qui a donné et c'est lui-même... C'est du mensonge. C'est toi qui l'as tué. Tu l'as tué. Tu as tué ton frère. De quoi parles-tu, Jonathan? Tu sais pas ce que j'ai dit. Tu as sacrifié Jonas pour avoir de l'argent. Tu ne vas tout pas t'affirmer. Tout fier quoi, Jonathan? Tout fier quoi? Tu as recommencé. Mais qu'est-ce qui vous arrive pour Maman, arrête ciel? Ça. Il a sacrifié Jonas pour avoir de l'argent. C'est simple, c'est ce qu'il a fait. Jonathan, je ne peux pas accepter tes fausses accusations. Tu as largement dépassé les limites et c'est le temps d'arrêter ça. Arrête de tourner en rond. Tu viens de tuer ton frère. Hein? Tu penses que je ne sais pas? C'est toi qui l'as tué. Prouve-moi le contraire. Prouve-moi le contraire. Regarde-toi. Ritualiste. Je suis désolée. Désolée, maman. Grand frère, mon œil. On attrapera le coupable. C'est ça. Regardez. Honnêtement, je suis confuse et je peur. Je ne sais plus en quoi ou en qui croire. Maman, ceci est un démon qui travaille. Nous devons trouver une dernière solution pour tout cela. Tu parles des diables? Écoute, je commence à douter des Chibuzo. Oui. Récemment, beaucoup de choses étranges sont passées autour de lui. Maman, est-ce que vous réalisez ce que vous êtes en train de dire? Honnêtement, je commence à croire à tout ce qu'a dit Jonathan. Mon fils, essaie un peu de réfléchir. Jonas était en bonne santé quand il avait quitté sa maison. Une fois qu'il était entré dans la parcelle de Chibuzo, subitement il était mort. Pourtant, on ne peut pas faire de Chibuzo le responsable de sa mort. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'il a tué. Maman, je crois fermement que Chibuzo est innocent. Sais-tu que, avant l'arrivée de Jonas, j'avais demandé à Chibuzo de me conduire chez lui. Il avait pratiquement refusé. Il m'a dit de lui demander de venir. Hein? Les problèmes avec toi, tu veux mêler tout ce qu'il a dit. Chibuzo est innocent. Honnêtement, je suis confuse. Je ne sais plus quoi penser. Je ne sais pas pourquoi tout ceci m'arrive. Maman, je comprends. Maman, je ne sais vraiment pas pourquoi tout ceci m'arrive. Je n'ai jamais été une bonne mère pour toi. Tu l'es, maman. Alors pourquoi tout ceci m'arrive? Maman, ne t'inquiète pas, please. Trouve une dernière solution pour toi. Tu verras, tu vas plus t'inquiéter. Oh? Ça va aller. Chibuzo, tu es mon frère. Et je ne sais pas combien de temps les gens vivront séparés dans cette famille. S'il te plaît, sois honnête avec moi. Est-ce que tu es derrière tout ce qui arrive à Jonathan? Et as-tu causé la mort de Jonas? Mon frère, je vais être franc avec toi. Je n'ai pas la même mise dans tout ce qui nous est arrivé maintenant. Je n'ai pas la même mise dans tout ce que Jonathan est en train de m'accuser faussement. Donc tu es en train de me dire, tu ne t'en souviens pas de tous les codes secrets et tu n'as jamais rendu visite à un VDG. Jamais dans ma vie. Je ne m'ai jamais associé dans le mal. J'ai vu la vie dans la crainte de Dieu. Je ne peux pas suyer mon propre sang. Ah. Jonas était le seul qui soutenait Jonathan. Tout allait bien. Mais il paraît suspect que... il est mort, mais dans ta maison. Honnêtement, la mort de Jonathan me dépasse. Ce que je ne comprends pas est que... comment est-ce que ma propre famille... m'accuse d'avoir tué mon propre frère. Hey. Cette famille est dans le feu. Et personne ne sait quand ça finira. Vraiment, quelquefois, je ressens que je peux dormir et me réveiller. D'un coup, tout devient anormal.
Je l'espère aussi. Jonathan, tu as plus qu'assez. Tu dois faire à ce que tout ce qui s'est passé ne puisse jamais se répéter. Qu'est-ce que je vais faire? Es-tu en train de m'ignorer? Tu sais exactement quoi faire. Tu m'as déjà dit que tu sais quoi faire. Toutes les options sont difficiles. Il faut que je me concentre pour les faire. Est-ce que tu comprends? Tu es sûr que tu es un homme? Où est passé ton cœur? Nous sommes en train de parler du meurtre. Je ne saurais pas les faire. Calme-toi, s'il te plaît. S'il te plaît. C'est évident, tu veux mourir comme Jonas. Laisse-moi t'éclaircir les idées. Aussi longtemps que Chibuzo serait vivant, tu ne vas rien réaliser de toute ta vie. Il te tuera de la même manière que Jonas. Il serait mieux que tu sois fort et que tu agisses comme un homme. C'est le meilleur pour toi. Ça suffit avec cette méchanceté, maman. Il est temps que tu laisses cette femme vivre en paix. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Maman, même s'il t'avait blessé, est-ce que tu devrais aller très loin comme ça? Tu as tué Jonas, et qu'est-ce que tu fais d'autre? Je veux qu'ils meurent, tous. Je vais les tuer tous. Et qu'est-ce que tu auras après avoir fait cela? Je m'en fiche. Maman, tu fais tout ça pour ce qui s'était déjà passé? Je ne te blâme pas, Messi. Tu n'as aucune idée de ce par quoi je suis passée. Et laisse-moi te dire, je ne vais pas me reposer tant que Nedima et tous ses enfants ne seront pas mis en terre. Et laisse-moi aussi te dire, maman, moi, merci. Je ne laisserai pas même ton doigt s'approcher de mon mari. Si tu me défies, maman, si tu dépasses le borne. Et toi, regarde-toi. Tu joues à un sale jeu qui n'aboutira à rien. Qui es-tu? Juste un sale assassin. Alors laisse-moi te conseiller. C'est mieux que tu apprennes à bien te comporter au lieu de faire de bêtises. Regarde-moi cette fille. Oh. Elle m'a donné le dos. Non. Elle ose me donner le dos. Calme-toi, maman. Hey. Oui, laisse-la tranquille. Merci vient de passer une ligne très dangereuse. Et je dois certainement m'occuper d'elle cette fois-ci. Maman, calme-toi. Nous savons comment nous allons la récupérer. Merci ne sait pas ce qu'elle fait. Elle n'est pas importante. Nous allons la gérer calmement. Il n'y a pas un autre plan B. Si ce n'est de ramener à terre la tête de Chibuzo, Chibuzo doit mourir. C'est lui qui est notre plan B. Ne me comprenez-vous pas que je lise en quelle langue? Hein? Ha! Tu es là? Je pensais que tu étais sorti. Je suis là. Ah. Je n'ai pas vu ta voiture d'ailleurs. Je l'ai laissée entre les mains des mécaniciens. Ah, je vois. Bienvenue. Je m'inquiétais. Où est-ce que tu étais? Ah, mon amour. Vous pouvez le savoir. Et est-ce que tu sais de mon ami dont je t'ai parlé? Il est vraiment par terre. Ah, tu ne vas pas comprendre. Je prie qu'elle survive. Je ne vais surtout pas en parler. Ton ami? Oui, cet ami dont je t'avais parlé. Je suis vraiment fatiguée pour le moment. Je vais un peu me reposer. Je suis vraiment fatiguée.
ma fille. Chérie, le téléphone sonne. Merci. Écoute, nous comprenons très bien ton amour pour Chibuzé et nous n'entrons pas dans les détails. Mais tu dois aussi savoir que cette mission ne doit pas faillir. Cette famille a travaillé si dur pour arriver à ce point. Nous avons fait beaucoup de choses juste pour avoir cette réussite. Pourquoi tu veux juste arrêter pendant que nous voulons remporter la victoire? L'important c'est que Chibuzé doit mourir. Il doit mourir. Merci. Et ça doit être fait rapidement. S'il vous plaît, laissez-moi demander. De quel Chibuzé dont vous parlez? Parce que je suis perdue. Ah, mon Chibuzé? En tout cas, vous avez perdu la tête. Je ne laisserai personne d'entre vous pointer son doigt sur mon mari. Merci. Et tu m'as étonnée. Qu'est-ce que ce fils du diable t'a fait manger? Hein? Je te fais une promesse ici et maintenant. Peu importe le fétiche Kennedy m'a utilisé sur toi pour que tu te tournes contre moi. Je ne veux pas les tolérer. Moi. Maman, s'il te plaît, arrête. Arrête, maman. Hey. Arrête. Toutes les mères ne sont pas comme toi. Du charme. Et à ce qui te concerne, je sais que tu préfères mieux tuer. Tuer te donne la vie. Quand tu tues quelqu'un... Mais désolé, je ne suis pas une assassin. Et je ne laisserai aucun de vous mettre sa main sur mon mari. Je l'aime et je ne peux pas le laisser mourir. Maman. Est-ce que je rêve? Chibuzé. Maman. Jonathan. Maman. Attendez un instant. Vous êtes maintenant en bon terme? Hey! Dieu, je te remercie. Je te remercie infiniment. Merci, tu es le Dieu de la paix. Tu es le Dieu qui a offert un cadeau parfait à Anne. Le Dieu qui a transformé une masse informe à un être humain. Le Dieu qui a créé le ciel. Rien n'est impossible à toi. C'est ça, maman. Et bon. Oh Dieu, je te remercie. Oh. Maman, pasteur. Hey, oh, maman. Très bien, mais... Oh, Seigneur, merci. Hey, et quoi sont tort? Oh, mon frère. Les diables tort. Les diables tort. Hey. Venez, mes enfants. Oh, mon Dieu. Mon Dieu, c'est vrai. Hey. Mon Dieu. Mon Dieu. Qui est comme toi? Le Dieu des orphelins. Le Dieu de veuves. Merci. 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 Maman.
Quand je remarquais les changements de causes et mouvements bizarres, j'ai décidé de les suivre. C'est de là que j'ai constaté qu'elle était en relation avec Ebere. Oui, maman, tu vois, Tibouzou a raison. Lorsque Tibouzou m'avait approché, vous avez vraiment raison. Il fallait que je l'écoute, maman. J'étais vraiment choqué. Ebere et Messi, elles partagent le même sang. Hey! Oui, de même parents. C'est ça. Attends. Hey, calme-toi. Hein? De quelle Ebele? Et de quelle Mercy? La même que tu connais. Sa femme et ma femme. S'il te plaît, calme-toi. Inspire et respire. Tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Anna, mon fils. Calme-toi, ça va? Maman, elles ont joué avec nous. Mais nous étions allés au mariage traditionnel. Attends, je vais te montrer. C'est elle n'avait pas de parents. Attends, je te montre. Et regarde bien là-bas. Et c'est la même personne qui m'a dit que Tibouzo est méchant. Hey. Oh mon Dieu. C'est vraiment elle? Oui. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tout va bien? Maman? Regarde. Tibouzo. Maman, est-ce que ça va? Maman, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu connais bien la famille? Je ne lui avais rien dit. J'ai appelé et il avait déjà quitté la maison. C'est vrai. Oui. Regarde, il n'y a aucun signe de Tibouzo en route aujourd'hui. Et mais d'ailleurs, en fait, nous sommes restés là attendre pendant toute la journée. Ah, comment? Tu m'as tellement déçu. J'aurais dû mettre ma confiance sur Ebele et Emmanuel dans cette mission. Maman, je ne sais pas pourquoi tu es comme ça. J'ai appelé. Ok, je sais que je n'étais pas d'accord avec cette initiation. Mais après, je réfléchis. Je n'ai plus voulu les soutenir. Et là, je suis de votre côté. J'ai appelé. Qu'est-ce qui n'a pas marché après? Ok. Parle, non? Vas-y, parle. Mais je t'avais appelé. Mais maman, t'as posé une question. Qu'est-ce qui n'a pas marché après? Maman vient de te poser une question, tu peux répondre. Judas Iscariote. Traîtresse. Calista et moi, nous étions des meilleurs amis durant notre enfance. Nous étions tellement proches que les gens disaient que nous étions inséparables. Le problème a débuté quand j'avais rencontré un homme au nom de Maurice. Nous étions tellement amoureux, il avait promis de faire de moi sa femme. Dès que Calista avait posé ses yeux sur lui, elle avait commencé à rêver de lui. Calista l'avait séduit et était tombée enceinte de lui. Mais cela n'avait rien changé. J'avais compris ce qui s'était passé. Et je lui avais pardonné. Maurice et moi, nous étions mariés. Et j'avais continué ma vie. J'avais effacé Calista à cause de sa trahison. Dieu. Donc Calista continue toujours avec ça? Ce n'est pas du tout bon. Donc elle garde encore les pensées négatives dans leur tête. Il y a de cela déjà 30 ans passés. Ah, c'est vrai. Ce monde est mystérieux. C'est vraiment incroyable. Et dans ce cas, vous devez trouver un autre moyen. Maman, alors, on est là. Dis-nous, c'est quoi le plan? Comment les aurons-nous maintenant?
Le plan est de les tuer tous, une fois pour toutes. Vous savez, j'étais en train de réfléchir. Je me suis mise à réfléchir. Est-ce que nous attendons quelqu'un? Non. Non, même pas. Et alors, ils sont là? Va voir les gens qui frappent au portail. Oui. Et comment ils peuvent toquer de cette manière? Ah. Ebele. Donc c'est ta famille. Calista. Mm-hmm. Donc c'était toi depuis tout ce temps. Donc c'est toi qui détruisais ma famille. Tu m'as ravi, Maurice. Maurice était mien. Tu l'as séduit et est tombée enceinte de lui. Parce que tu voulais l'avoir. Maurice m'avait aimé. Il m'a dit qu'il n'avait rien à voir avec toi. Mensonge. Tu es une menteuse. Maurice, c'était mien. Maintenant que tu sais que c'était moi, qu'est-ce que tu peux faire? Peux-tu faire tomber le ciel? Peux-tu faire tomber le ciel? Tu veux savoir ce que je ferai? Qu'est-ce que tu peux faire? Pardon, maman, pardon. Hein, mais maman. Calme-toi, maman. Pourquoi non, c'est que c'est. Calme-toi. Ne parle pas, maman. Non, ne parle pas. Calme-toi, maman. Laisse-moi parler. Non, maman, c'était pas ça. Laissez-moi, maman. Calme-toi. M'occuper d'elle. Maman, maman, non, pas ici. Calme-toi, maman. Calme-toi. Maman, maman, non, 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 non. Laissez-la. Maman. Attendez. Maman. 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 Qu'est-ce que vous faites, ma mère? Maman. 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 Ne me dis pas que je te tue, maman. Non, ne pleure pas, ne pleure pas. Il n'y a rien. Je le fais. Maman. Oui, maman. Je le fais. Je suis en train d'essayer. Je suis en train de voir. Oui, je le fais. Maman. Oui, je vérifie. Maman. Je vérifie. Maman. Où est-ce que vous allez? Attendez, attendez, attendez. Maman. Où est-ce que vous allez? Vous avez tué ma mère. Vas-y, vérifie. Je ne peux plus vérifier. Vérifie. Rien ne va arriver. J'ai trop peur. Rien ne va arriver. Arrêtez de crier. Vérifie. Vérifie. Maman est encore en vie. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.